Hey, salut à tous, moi c'est Azil, vous allez bien? Aujourd'hui je propose du gameplay Escape from Tarkov sur Interchain. Alors c'est une vidéo un peu particulière, c'est juste un raid mais qui s'est bien passé, on est quand même sorti avec beaucoup d'argent. Mais à la base, le contexte de cette vidéo c'est que j'enregistrais tranquillement pour un guide que je suis en train de faire. Alors ce qui s'est passé pendant la partie était sympa, mais à la base j'étais pas en stream, j'étais pas vraiment en train de record avec une voix off ou un commentaire ou quoi. Donc je ne parle pas pendant les quelques premières minutes. Et puis il y a LK qui est arrivé sur Discord, qui s'est connecté, on s'est mis à papoter et du coup je lui ai stream un parti juste pour lui en 1v1. Et donc c'est là qu'on a commencé à parler. Mais du coup là, pendant les quelques premiers instants de la partie, il n'y aura pas vraiment de dialogue. Et puis après, on va avoir un peu plus d'échanges et ce sera plus chouette. Donc voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Ça restait une partie super chouette et qui est en fait une bonne partie d'introduction pour ceux qui connaissent pas le jeu. Ça permet de bien découvrir un peu ce qui se passe. Je vous laisse profiter, amusez-vous bien. Il y a une keycard, un peu comme la keycard des labs, sauf qu'elle ouvre une porte sur cette map-ci. Et la carte vaut 700k, je pense. Ouais. Et elle a 15 utilisations. Pendant que je récupère ma stam, on va regarder. C'est ce truc-là, tu vois. Ouais. Elle a 15 use, et donc je vais voir si en 15 utilisations, j'arrive à me faire plus que 700k, ou bien si c'est de la grosse encul. Donc je vais juste faire le raid 15 fois, aller ouvrir la porte 15 fois, extract 15 fois. Ça c'est Interchange, c'est une très 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 chouette map. J'ai vraiment hâte qu'on la fasse à deux, plein de fois. Et il y a énormément de quêtes dessus donc tu vas devoir beaucoup la faire. Elle est vraiment chouette. Putain, il a un shotgun, il peut me péter en deux balles quoi. Ah non, il a un Mosin, ok. J'ai cru qu'il avait un shotgun. Flèche. Oh, il était niveau 2 quoi. Ça c'est déconné quand même. Tu lui planques son stuff. Mais ouais, putain, il est niveau 2 le type, c'est bon quoi. Il était accompagné. Non, je pense pas. Quand même pris headshot hein. Putain, je peux avoir une seconde à moi, please quoi. Il me voit un type qui est là quoi. Très envie de looter mais ok, what the fuck, il était déjà full quoi.
Ah, il est juste à gauche. Envie d'extraire maintenant quoi. Parce qu'avec ça je pourrais pas looter la room quoi. Est-ce que je pourrais avoir 30 secondes pour moi quoi? J'entends rien que mon ordi qui est à fond en plus. Oh, c'est de la livraison de loot, tu vas pas te plaindre quand même. Mais je sais pas trop ce qu'ils ont quoi. Putain, faut avoir peur des clics gauche enfoncés hein. Enfin, faut pas avoir peur quoi. Ah bah tu tank. C'est parce qu'il a vité à côté. Bon, j'espère qu'il y a eu 5,56 hein. Mais donc ouais, je voulais juste aller looter un truc et pour finir je suis toujours pas... J'ai pas encore looté les ordi ni rien. Ah j'ai pas encore reload en fait, je suis à combien là? Less than half, oh putain. Fuck. Pas quoi tirer. C'est du tracer et il tirait pas vite donc ça peut être vraiment plein de trucs quoi. Que c'était du tracer ou pas? J'ai pas fait gaffe en fait. J'ai vu que les ricochets, j'ai pas vu de tracer. Ce que j'aime pas avec les non-tracers, c'est soit une bonne soit une mauvaise nouvelle. Putain, il peut être fucking n'importe où quoi. Si il est malin, il attend que je le loot quoi. Alright. Semblant looter.
C'est risqué ça. Bah tu t'accroupis à côté et puis tu te relèves tout de suite. Ok, il est à gauche. On l'entend bien. On sait où il est. Il est ici, juste là. Je venais juste ouvrir une room, je vais pousser ce bouton et aller looter. Et je me retrouve à avoir tiré déjà 180 balles de 5,56. Bon après, j'ai un peu fait le dingo, mais... Ah mais j'ai plus de balles en fait. Ah si, il me reste un, ok. Désolé, c'est un peu chiant ce que je te montre là comme gameplay, mais okay, j'imagine que tu fais d'autres trucs. Exactement. Donc. Ah mais il a un bon casque en plus. Et l'autre il est drop ou t'es pas sûr? Non, je suis assez sûr qu'il est mort l'autre. J'ai foutu mon AK ici, non? Ouais. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va d'abord voir si c'est du 5,56. Mettre l'autre AK sur toi. Oui, c'est vrai, il y avait celle-là qu'il faut mettre. Non, à mon avis, je vais prendre son arme à lui. Il est là, soit il a pas bougé. Ouais, au cas où. Ouais, ok. Fucking M1A, what the hell? Oh, il était venu avec un attaque 2, un bastion. Alright! Une gen 4 full, mais ok! Et il avait déjà un Yulak, ça dégage. Ça, ça dégage. J'ai presque envie de prendre ton attaque 2, chouchou. Hein. Je te le dis tout de suite. Je voulais la Gen 4, mais tant pis, tu vois. Je sais pas comment je vais la prendre ici, la Gen 4. Je pourrais la mettre là, en fait. Mais le Triton, il est plein, quoi. Enfin, ouais. Il est vite fait plein, quoi. Je peux, tu peux mettre dans ton Blackrock. Comme ça, comme ça. Oh, fuck me, putain. 78 kilos quoi. Ok, t'as compris. Ouais, et t'as laissé un mag de 60 à terre. Ouais, je sais, c'est pour avoir de la place. Bon, ça tu montres à personne, hein. C'est vraiment dangereux ce que je fais. Mais tout d'un coup, je peux courir beaucoup plus à l'aise, quoi. Regarde mon ma stamina. Sachant que j'ai 80 kilos sur moi, à peu près. Avec quoi tu tirais, toi? Oh mon dieu, le M1A, il fout, quoi. On va balancer ton arme assurée dans un buisson et prendre ça. Au pire. Non, je vais faire plutôt comme ça. Je sais pas ce qu'il faut avec des chargeurs de Saiga, mais ok. Y'a pas. Y'a aucun moyen de prendre ce sordine, hein. On réfléchit comme on veut, mais. J'ai aucune case de 4 en fait, nulle part quoi. Nope. J'imagine que mon extract ce sera Emmercom.
Alors qu'est-ce que t'avais looté toi dans ta petite game? Oh. Écoute, je pense qu'on va pas. Il est temps. C'est mémé in the orty. Ouais. Ouais, il reste 20 minutes. Oh, y'a encore un type juste devant moi. Ouais. Lui il tire avec un bon flingue par contre. C'est un scaf qui fait comme ça, what the fuck? Baisse la tête pour prendre des balles dans le cul, quoi. Bah parce que j'ai pas envie de prendre un fucking nape shot qui peine mon casque, tu vois. Ouais. Enfin, bien que je suis 2 et j'ai un casque 4. Putain, c'est abusé, l'endurance, quoi, avec ce stimulant, je kiffe, quoi. T'as vu ce que je viens de courir, là? Ça fait bien 20 ouais. secondes, je suis même pas à la moitié, quoi. Sachant que j'ai 80 kilos sur le dos, quoi. Ici, c'est un extract ultra stylé, juste ici. Parce que tu peux sortir si t'as pas de sac à dos, qui passe par là, et ça extract. Mais bon, là, je suis l'opposé du mec qui a pas de sac à dos, quoi. Tu peux pas le lancer. C'est, ouais, ce serait bien, quoi. Et ici, c'est l'extract réputé pour être la plus campée de tout le jeu. Map confondu, quoi. Parce qu'elle est ultra open, ultra large, et t'as la vue sur des centaines de mètres, quoi. C'est the fucking worst extract in the world. Il y a de la cover partout en plus. Oh non, mais il n'y a pas de la cover partout. Je vais extraire la guette là juste devant à droite. Et en gros, on me voit. J'irai d'ici, je pourrais déjà extraire camper. Il y a le mur là-bas en face, il y a un truc à gauche, et il y a tous les bâtiments là, tu peux aller au-dessus. Si quelqu'un campe cet extract, c'est vraiment difficile de survivre. Je me suis jamais fait tuer en extract campant ici, enfin en me faisant extract camper. Mais jamais arrivé. Mais j'ai déjà vu des gens camper et j'ai dû les tuer quoi. Et j'ai moi-même déjà campé cet extract. C'est d'aller ici et d'espérer que personne... Ah, juste quand le stimulant prend fin, tiens. Bon, bah... T'as fait combien là, 2 millions quoi? Oh non, 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 sûrement pas. Mais c'est sûr que pour 20 minutes de raid, j'ai fait... C'était pas mal quoi. Quand même 1, 2, 3, 4, 5 kills quoi. En gros, ça c'est mon net worth, mais ça. Plus les soins et tout. Alors les gars, comme c'était pas le but de la vidéo, j'ai pas mesuré la vente de ce que j'ai fait, mais je me rappelle très bien de la conversation avec LK et on était à 1,2 million, donc c'était quand même assez rentable, vu la durée du raid, c'était même très rentable. J'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, si ça vous a plu, laissez un dislike, n'oubliez pas de me dire quoi en commentaire, et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.